RTL Matin. Yves Calvi. 8h47, Manuel Valls est donc resté avec nous et je dis à Laurent Gérard bonjour. Bonjour Laurent. Mon cher Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour Monsieur le Président. Bonjour Catherine Laborde. Ah. J'ai su pour votre retraite. Ah bon ? Il y a une enveloppe qui circule pour votre pot de départ. Mm-hmm. On peut le faire ensemble si vous voulez. On verra plus tard, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite ? Je suis là pour soutenir mon ami, mm-hmm. mon élève, celui que j'ai élevé en mon sein, mm-hmm. mon Premier ministre adoré, Manuel Valls. Mais je... ça va, merci François. Non Manuel, ça ne va pas. Tu as besoin de moi, je porte chance. Je suis ton père, je t'ai tout enseigné. Souviens-toi quand je t'ai appris à te servir du 49-3. Merci François, ça va aller. Tu es prêt maintenant Manuel, mais il y a une dernière chose que je dois t'apprendre. Le renoncement. Le renoncement, c'est maintenant. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Mademoiselle Martijade. Ah, bien, nous sommes bonjour là. Bonjour Monsieur Calvi. Bonne année à toutes et à tous. Et surtout, bonne primaire à vous, Monsieur le Premier ministre. Je crois que vous aviez arrêté la politique, non ? Oui, mais rassurez-vous, j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu avant de l'avoir tué. Je voulais juste savoir comment que ça va. Juste comme ça, entre collègues. Parce que je suis comme vous, Monsieur Valls. Moi, j'ai changé. Vous devez être soulagé de ne plus être au gouvernement. Hein. Ça doit pas être facile, tous les jours, de rattraper les gaffes du président tout mou. Et puis, au moins, vous êtes débarrassé de tous ces frondeurs. Ils vont nous manquer, ceux-là. Hein. Comment qu'il s'appelait déjà le rigolo un peu fort qu'a pas pu se présenter ? Ficelle ? Filas ? J'ai beaucoup de respect pour Gérard Filoche. Oui, c'est ça, Filoche. C'est dommage qu'on ne l'ait pas gardé, lui, avec son côté hibernatus qui se réveille au 21e siècle. Hein ? On aurait bien rigolé pendant les débats. Non, mais je ne suis pas là pour critiquer. Je n'ai pas envie de dire du mal. Non. Ça n'élève pas le débat. Moi, je ne suis pas Montebourg ou Hamon. Hein. Mais je voulais juste vous dire de vous préparer à vous attendre une grosse surprise aux primaires. Surtout au premier tour. Je sais, j'y suis passé. Alors surtout, préparez bien un discours d'adieu au cas où on ne sait jamais. Mais j'ai confiance dans le peuple de gauche. Vous avez raison. Au fait, vous avez pris qui comme porte-parole ? Parce que comme Guy Bedos, il est pris par Montebourg, vous pourriez peut-être demander à Popek ou à Roland McDan, je suppose. Non mais j'ai l'air d'être jaloux. Mais si par malheur ça marche pas, votre France juste avec la République forte dedans, j'ai des adresses des pays où qu'on peut donner des conférences à 100 000 boules dans des grands hôtels. Et je pense à un truc, moi. J'ai retrouvé ma femme guitariste. Et vous, vous avez peut-être retrouvé votre femme violoniste. On pourrait faire un groupe, hein. Âge tendre et langue de bois. Bonjour, c'est Johnny. Ah, bonjour Johnny, vous avez choisi votre candidat à la primaire ? Déjà, je voulais dire que moi, je suis solidaire. Oui. Je soutiens tous ceux qui vont à la primaire mm-hmm. et qu'ils ne s'inquiètent pas en se faisant du souci. Oui. Moi-même, j'ai été éliminé en primaire, mm-hmm. au CM2 pour être précis. Après, j'ai plus été à l'école. Et ça ne m'a pas empêché de remplir le Stade de France et de faire carrière et d'allumer le feu. C'est vrai. Alors, quel est votre préféré, si ce n'est pas indiscret hein ? Alors, je dois bien dire que même si j'aime le rock, oui. je choisis Valls. Et accompagné par sa femme au violon, je lui chanterai « Manuel, tu brûles mon esprit !» Bonjour Alain Souchon. Bonjour la petite Jeanne, pas malade la petite Jeanne. Ça va, non, merci, tout va bien. Oui, bien, oui. Hein. Vous suivez la primaire de la gauche, Alain Souchon ? Oui, moi, je suis un petit peu les primaires, c'est un peu comme The Voice, mais sans Asie. Hein, il y a des candidats, on les regarde, on les écoute, c'est bien. Vous avez déjà un ou une préférée ? Oui, j'aime bien Valls, ce petit Manuel, un oui. petit peu nerveux, mais sympa. Je suis en train de tripoter son 49-3, je le sors pas. Sa femme aussi, Anne Gravois, elle est sympa avec son violon, elle nous accompagne avec Laurent Voulzy, avec son petit crin. C'est pas Yui-Menui-Nui-Frigitlis, mais elle se débrouille, elle est sympa. La femme de Valls, elle joue toujours les petites valses. Au pipeau François Fillon, on l'aura tous dans eux. Oui, merci Alain Souchon.
En ce début d'année présidentielle, chez Emmanuel et Brigitte Macron, à peine rentrés de leur voyage très photographié au Portugal, on est en plein préparatif. Emmanuel, descends tout de suite de ce monte-escalier. Pensante, bonsoir, tu ne grandiras donc jamais. Oui, The Monde à toute vitesse dans les sondages. Plus haut que Fillon, plus haut que Valls, plus haut que tout le monde. Ça suffit maintenant. Ça ne te suffit pas d'avoir tout déréglé le lit électrique. Le chat est resté coincé dedans. Tu ferais mieux de te préparer. Demain, tu dois partager la galette avec les militants. Fastos, Brigitte, la galette, c'est mon truc. C'est quand même été ministre de l'économie. Oh, comme tu es spirituellement, chérie. Mais dis-moi, Brigitte, si on mange la galette avec les militants, c'est qui sera le roi? Ah, ça, Emmanuel, ça dépendra du hasard. Oh, il est trop relou, le hasard. Ça veut être le roi! Ça veut être le roi! Tu seras le roi si tu trouves la fève dans ta part de galette. Je veux la fève! Je veux la fève! Tu sais, c'est peut-être moi qui l'aurai, la fève. Si tu crois que la fève, tu vas encore te casser un brise. Un brisite. Oh, c'est mort de lol. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Rien, Brigitte. Je disais, tu seras la reine! À la bonne heure, la reine du tango. Bonjour Dominique Besnéard et bonne année. Merci mademoiselle, ça c'est super sympa de penser à mes gigs. Hein. Ah bah, parce que il n'y en a pas un de la primaire, de la gauche, qui me demandait de le coacher. Ah. Alors que je m'y connais, moi, pourtant en coaching du socialiste. Ouh, je sens un peu d'ironie dans votre voix. Plutôt de la tristesse et de l'angoisse, parce que j'avais tout prévu pour la réélection de François Hollande. J'avais même un nouveau slogan super, changeons le changement. Et patatras, tout est fichu. Vous irez quand même voter aux primaires de la gauche le 22 janvier? J'hésite, hein. Mais si j'y vais, je voterai Valls, hein. Ça c'est sûr. Lui au moins, il est présentable, hein. Non mais vous avez vu la brochette? Montebourg, le chef de rayon, chez Habitant, séducteur de ses dames. Hamon, il a l'air aussi cintré que ses vestes. Et Vincent Payon, le revenant dont on ne savait même pas qu'il était parti. Et je vous le parle pas des jumeaux de l'écologie qui se mettent à deux pour sauver la planète. Pourquoi pas 5 ou 6? Sans oublier Sylvia Pinel, la femme quota. Ah bah, à propos de femmes politiques, vous avez des nouvelles de Ségolène Royal? Aucune de ma Ségo. Oui. Même pas un SMS pour les vœux. Elle doit bouder parce que je n'ai pas fait tourner dans 10%. Ah oui. 10%, ça sera sûrement le score de la gauche en mai prochain. Bien, vous avez trouvé un soutien inattendu, n'est-ce pas, Manuel Valls? Dans les grandes personnalités, oui. Dans les grandes personnalités, nous sommes bien compris. Merci d'être resté avec nous. Merci à Laurent Gérard et à Jade.